Alors bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien sur le chat? Ok, cool. Et bah bonsoir à tous. Hein. On va débuter ce défi mardi. Je te prouve en 10 qui va opposer Chio de la team Avalanche à Joe. Joe, le joueur de Nightmare. Lexia contre Nightmare. Hein, donc un match pour l'instant qu'on n'avait pas encore vu. Et donc ça fait un petit moment que les joueurs sont là. Et donc on va lancer. Salut Zabi, salut Canon, salut Nobara. Et qui est cette semaine poulet teriyaki. Allez, on va lancer tout ça. Donc c'est sur mon Twitch, enfin c'est sur mon Twitch, hein, donc comme vous savez, mon Twitch, c'est un peu la qualité ghetto. Et bon, c'est important, c'est d'avoir votre défi. Allez, c'est parti. On lance tout ça. Et c'est en 10. Ça fuit des deux côtés, ils veulent pas jouer. C'est parti. Donc un match qui va opposer Nightmare à Leisha. J'espère que pour l'instant, on a été gâtés au niveau des défis des mardis, je te cours en 10. Parce qu'on a eu que des matchs très serrés, ça allait à 19, vraiment des matchs très serrés. Et j'espère que pour ce soir, ça va être la même, pas comme pour les Hobbits et Oxford. Allez, c'est parti. Si, la chope. Oui, bien joué. Et la chope. Ah, bien joué, Yomi. Voilà, pour l'instant, Chio qui est bien dans ce match. Et... voilà. La chope de Joe. Ah voilà, ça touche au sol. Et bien revenu là pour l'instant Joe. Ah le counter il a pas confirmé mais il fait une chope derrière. Ah, ça regarde côté. Joe qui vient remonter dans le match. La chope de Joe. Ah, la chope. Et Joe qui remporte le premier round. Bien joué de la part de Joe. Bonsoir partisan. Bonjour du Canada. Hein, c'est... là, Joe qui est bien parti. Oh là là, bien joué la bouffée le AGA avec le rôle des Bravage. FC3B. Pour l'instant, bien joué de la part de Chio qui est bien revenu là dans le round. Voilà. La chope qui est déchopée. Voilà, le 6B. Ah dommage, elle a raté le combo des pieds. Voilà, deux kicks, on vise les pieds toujours à la fin. Donc alors, sur le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait des paris? Moi j'ai parié de la glace. Est-ce que... avec player, donc je pense que je vais gagner. Hein. C'est Chio, c'est Avalanche, hein, normal et tout. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres... Il y a eu d'autres paris? Salut B-Boy, salut. Dans le troisième round, une Joe qui est très bien parti là. Qui a bien pris l'avantage. Ça va être difficile de revenir pour les chats de Chio parce qu'au niveau des dégâts, c'est qu'on ne joue pas dans la même cour. Ah dommage, il a pas fait ça. Je sais pas si on va revenir. Mais c'est pas grave, il termine par un 2 kick et Joe qui prend le deuxième round. Battle for fight. Oh, oh là là, j'ai cru que ça allait whiffer ça, c'est cool ça. Oh merde, ça fait bien mal en plus. C'est un peu mystique ce qui s'est passé mais... 3B. 3B encore une fois, la CE, bien joué de la part de Chio. Allez, comment on va réagir à la relevée? Voilà, pour l'instant Chio va bien. Ok, c'est un 2 kick. La
machin qui a biffé. Oh, bien joué le jump guard, le 3B et la CE derrière. Est-ce que ça va tuer ça? Oui, et ça tue. Bien joué de la part de Chio qui a pu le jump guard au bon moment. Et donc on est à 2 rounds de partout. Final, le kick. C'est bien Chio, elle utilise les deux kicks pour stopper la scène. Oh, BK wifé. Par jour. Ah voilà, elle arrête pas de copier le kick, bien joué, le backdash 3B. Voilà, le petit mec est mal relevé. Avec la shot qui passe derrière. Je vise les pieds encore une fois. Elle va faire attention au... Elle va pas se faire sortir du terrain. Bien joué. La Chio qui gère bien là. Ça fait un match. Fait ses 3B. Et bien joué. Voilà. Avec le 3B plus K. Et le kick qui va derrière. Et Chio qui gagne ce premier match. Bien joué de la part de Chio. Va falloir que Joey réagisse. Alors moi je vous dis les gens sur le chat, je suis carrément à la cause de Chio. Hein. Déjà d'une, elle fait partie de ma team. De deux, elle doit se racheter de ce qu'elle a, de la prestation qu'elle a fait dimanche. Hein, parce que bon, si vous la, pour ceux qui n'ont pas vu, elle a participé au Only Deus Forgive, hein, les défis 2 versus 2, contre la team Gold qui était composée de Skill et Shad, hein, quand même de gros clients. Elle, elle était avec Ryokozan, un autre gars de sa team, et ils se sont fait défoncer. Hein. Donc, voilà, et donc là, je suis là, elle doit se racheter, et puis en plus j'ai parié des glaces sur elle, donc elle a intérêt à gagner. Donc voilà, on est parti pour ce deuxième match. Ah bah, excusez-moi, faut que je mette aussi le score à jour. Voilà. Allez, on est reparti dans le match. Pour l'instant, qui est à l'avantage de... un léger avantage de Chio. Mais là, la shop basse de Chio, bien joué de la part de Chio. Pas dommage, on va passer bien là-dessus. Le kick, bien joué, là, la part de Joe, il vise des pieds, on peut relever des barres de passe, 4B, bien joué, oh là là, si c'est du 3B, bien joué, relevé B, et le glissé BA, bien joué de la part de Joe qui gagne le premier round. Grosse différence de dégâts entre les perso, hein. C'est clair. Chio, elle va gagner, va devoir gagner beaucoup plus de mannequins pour arriver à gagner un round par rapport à Joe. Ouais, avec Joe, ça va aller très rapidement. Là encore, pour l'instant, là, je dois dire qu'elle est un peu avantagée par le stage. Chio, elle a pas de ring out, mais alors après, ça va devenir un ring out. Et là, pour l'instant, Joe, qui se remet bien dans le match, là, il gagne par 2 rounds à 0. Donc là, Chio va aller toujours là, il va falloir qu'elle revienne dans ce match. 3B, 3B plus K. Dommage, elle n'a pas fini le but. Voilà, on va passer le but. Voilà, ça va sortir ça. Non, ça sort pas. Ah, ça n'a pas touché au sol, ça. Là, oh, là, bien, un chop de dos. C'est mal, ça. Oh, dommage, on aurait pu trouver le meilleur finish. Plus, la barre de l'échec qui commence à clignoter, c'est compliqué. Oh, bien joué le Josgar, mais elle a pas pu, dommage. Oh là là. Alors, allez. Oh, c'est pas puni. Ah, ben, on va péter la garde. Et voilà. Bien joué de la part de Josgar, il revient. Un match pas. Donc, match serré pour l'instant. Ça a l'air de connaître bien le match-up des deux côtés. Et donc on en est à un partout de chaque côté, voilà. Oh, je vois qu'on a beaucoup d'étrangers qui regardent. C'est cool. Winds gather at the battle one. Fight. Allez, là je sens déjà que je suis pas parti dans ce match. Oh là là, c'est pas fait avoir par Maguire. C'est là que je suis parti dans ce match. Hop, voilà. 1A, terminé.
battle to Arunda Zero. Fight. Oh là là, les CBR sont pas finis par le Marik. J'ai un avantage dans ce round. La shot passe. Ah, c'est dommage, vraiment pour finir. Six kick encore une fois. La shop s'est déchopé de la part de Joe. Voilà, Jean-Yves. Ah, c'est vite des pieds. Oh là là, il se met pas là-dessus. Oh, c'est chaud. Oh, bien la shop. Oh, ça prend ça là. Elle bourre le BTP plus K. Battle 3. 2, 3 qui passe. Bien joué d'Azure Shio. On en a un round partout dans ce match. Ça se regarde de mon côté. Là, Joe qui s'est bien joué avec la distance. Il essaie d'éviter ce que les chasseurs s'avancent. Bien joué celui-là. Oh là là. Oh, c'est dommage. Il a essayé de finish en se mettant bien de dos. Et ensuite, la faire sortir. Mais malheureusement, c'est passé trop tard. C'est passé dans la garde. Et Shio a bien mis sa garde. Et ensuite, a dû faire un deuxième coup. Balance son 3 BCR, bien joué de la part de Chio. C'était pas mal vu de la part de Joe, mais dommage que ça passe pas. Mais bon, pour l'instant, on en est au niveau de vie. Le 2 qui est passé, Chio qui a bien pris l'avantage en vie. Oh là là, il fait ça. Oh, elle a essayé de choper à la fin et il a balancé un 6 kick. Un 9 kick, pardon. Et qui touche. Joe qui prend l'avantage dans le match. Le round à l'un. Bébé, et bien joué le backdash 3D et la CE derrière. Oui, elle a encore une peu, elle a encore de la barre pour faire mal. Bien joué, là, la garde. Là, il essaie de péter la garde, il voit qu'il a plus de là en faisant ça. Bam, petit kick. Ah, la chope. Oh là là, comment elle s'est fait avoir, Chio. Aïe, 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 aïe. Bien joué de la part de Joe. Il a essayé de lui mettre en mettant la pression sur Chio pour la forcer à attaquer. Et là, elle a voulu faire une chop. Il s'est bien baissé. Chop en bas, chop basse. Et elle n'a pas déchopé en B. Alors qu'elle aurait dû. Et Joe, pour l'instant, qui mène la danse dans ce match. Deux matchs à 1. Non, non, Night Player, ça va commencer rien du tout. Chio, elle va gagner, elle va se reprendre, t'inquiète. Les glaces, elles sont pour moi. Au fait, Player, justement, tu seras, est-ce que tu seras à Cannes? Parce que j'aimerais qu'on règle le truc à Cannes, en fait, pour la glace. Est-ce que tu seras là, là? C'est 3D, pour l'instant. Qui mène bien dans ce match. High baby, puni ou deux. Oh dommage, le deuxième hip qui a passé, il est dans la garde. Et la chope est terminée. Et Chio qui prend le premier round. Battle 2. Fight. On va se regarder de côté pour l'instant. Alors j'espère que les étrangers qui ont admiré à Soul Cat la Hot Blood Chic, hein, Chio, supportent Chio. Hein. Allez, pour l'instant, Joe qui a pris un peu dans ce match. Bien joué la shot. Et bien joué le petit mot pour terminer. Chio qui mène 2 rounds à 0. Il faut bien qu'elle termine pour revenir à 2 partout. 2-2. Bien joué. Oh là là, encore. On en est pas, il en a paru aucun, j'ai l'impression. Pour l'instant, Chio qui a l'avantage. Oh là là, ça whiff, c'est bien puni au 2-2B. C'est pas laissé. 6-6-A-A. Oui, la chope qui a whiffé. Là, c'est déchopé. Là, on garde le côté 6 kick. Ah, il s'est baissé, donc elle a fait 6. C'est bien pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est assez serré entre les deux. Ils sont assez puissants. Et le FC3B lâche la CE qui passe derrière. Et victoire de Chio qui revient à 2 matchs partout. Bien joué.
Bah alors, player, là, elle revient là, Chio, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vas voir. Bonsoir, Saito de Glossbo. Ah, ok. Alors j'espère que vous m'entendrez mieux, apparemment vous m'entendrez pas assez, là j'espère que c'est un peu mieux. Excuse-moi Saito, hein, pardon, j'essaie de... Bon ça s'insulte tu vois, je vois sur le chat, j'essaie de me rapprocher un peu de mon micro. Ouais, parce qu'on m'a dit, oui tu craches dedans, donc je recule, maintenant je recule du micro, oui ça parle pas assez fort, putain vous faites chier. Hein. Bon allez, pour l'instant, Chio qui est bien parti dans ce match, elle mène par un round à zéro. Et la barre qui commence à clignoter. Hein. Là Joe il voit qu'il peut jouer là-dessus, donc il va pas se priver. Ouais voilà, la barre qui pète. Est-ce que ça il va aller jusqu'au ring out? Ah non, dommage. Voilà, ça fait mal. Bien joué de la part de Joe qui revient à round partout. Ah voilà le train qui passe. Voilà, ça sort. Bien joué de la part de Joe. Un petit backdash 3B des familles. Plus le Stance Bravage qui passe. Il sort. Bien joué de la part de Joe. Qui mène pour l'instant de round à 1. La shop de Chio pour l'instant qui est bien parti. C'est ce qui ça passe dans la garde. Pour l'instant tout passe dans la garde. Le 2B. Oh là là, le relevé qui relevé du ravage plus vif. Mais c'est mal puni de la part de Chio. C'est même en whiff c'est dur, c'est difficile à punir ce coup-là quand même. Il y a un très bon recovery. Mais là, Joe il a vu où était la faille chez Chio. Il va jouer sur le garde burst. Et donc là, la barre de Chio qui clignote déjà rouge. Donc ça va être compliqué pour elle, il va falloir que Chio elle fasse très très attention à ce qu'elle fait. Et là, oh là là, dommage. Elle essaie de choper. Oh là là, le 2 de B qui passe, et le 2 kick. Bien joué de la part de Joe, qui mène cette fois-ci, qui reprend l'avantage. Donc pour l'instant c'est serré, ça va. Hein. Mais non, player, ta glace elle arrive pas du tout. Tu verras, elle va reprendre l'avantage. Allez, pour l'instant, Joe qui est bien parti dans le match là. AGA, ça passe dans la garde. Je sais pas s'il y a la meilleure position. Là, Chio. C'est 6B, ça passe. Oh, dommage, le deuxième qui n'est pas passé. 3B. 3B plus 4. Bien joué le Joe's Guard et la punition qui passe derrière. Ouh là là, ça par contre ça fait mal. Hein. Là vous avez vu, elle a dû gagner beaucoup de mind game pour faire pas mal de dégâts, Chio. Et lui il en a suffi d'un seul pour la rattraper du côté de Joe. C'est ça qui est à l'avantage de Joe hein, dans,
Dans ce match-up, hein, c'est les dégâts. Hein, c'est... Il faut dire que le dégât c'est pas les points forts. Mais alors en plus, si Joe il arrive à jouer sur le garde burst, ça va vraiment se compliquer sur, sur le casse-garde, ça va vraiment se compliquer pour Chio. Parce que là vous regardez, non seulement il a un round, mais la barre de Chio commence déjà à clignoter. Et il va falloir que Chio, il va falloir qu'elle attaque plus déjà. Voilà. Et voilà le jump guard qui se rate. Hein. Évidemment quand t'as la barre qui est rouge, t'es un peu plus stressé quand même. Donc voilà, bref, si je serais Chio, je me serais laissé péter la barre. Et après, voilà, la barre elle pète. C'est pas grave, au moins, pour le prochain match, t'as pas la barre qui pète et il faut tout faire pour revenir. Bébé, allez, ça passe dans la garde. Voilà, Joe qui est vraiment bien parti dans ce match. Il mène 2 par 2 à 0. Le 1A, elle se prend trop de trucs dans la garde et elle n'arrive pas à répliquer Chio. Elle est beaucoup trop statique je pense qu'elle step pas assez, elle ne tente pas grand chose. Elle essaie de finir, profiter de quand elle a sa prio et faut peut-être qu'elle vole un peu plus. Et qu'elle campe, oui en effet, comme du Magic Zappy. Parce que là, regardez, la barre elle recommence à clignoter et elle n'a pas l'avantage en vie, c'est vraiment... là c'est vraiment chaud là. Ah, la CE, ça va passer. Allez Chio, c'est jamais terminé. Hein. Tu mets la pression. Ouais, dommage. Et il a balancé un gros launcher. Soit ça pétait, soit elle se baissait. Elle a décidé de se baisser, elle a pris. Et Joe qui fait le break pour l'instant, qui mène 4 à 2. Chio, va falloir qu'elle trouve des solutions contre... sa garde qui pète, hein, parce que si ça continue, ça va être chaud. Elle n'a pas l'avantage au niveau des dégâts, mais alors que normalement, elle devrait avoir peut-être un avantage dans le jeu de casse-garde. Mais le problème, c'est qu'elle l'a pas. C'est Joe qui fait le casse-garde. Et si ça continue comme ça, ça va être vraiment très dur pour Chio. Donc il va falloir qu'il se réveille. Et pour l'instant, Joe lui fait le taf, hein, pour l'instant. Il joue sur les forces de son perso. Allez c'est parti. Voilà la shop déchauffée. Voilà ça c'est puni bien de la part de Chio. La shop qui est déchauffée. Voilà, on change bien encore la mission. Bien joué là, la part Chio, Chio qui a pris l'avantage. Oh là là, ça fait mal. Elle est trop statique Chio, faut qu'elle fasse beaucoup plus de choses. Lui Joe il sait qu'il voit qu'elle ne touche pas, donc il en profite. Hein. Il s'en fout si ça tape la garde. Les punitions elles sont pas énormes du côté de Leisha, donc il peut y aller. En plus il a un bon jeu à distance, donc il en profite. Et Chio il faut qu'elle bouge un peu plus, qu'elle le fasse un peu plus qu'il fait. Voilà. Allez, 3B, ça passe. Cette fois-ci c'est gardé le mot. Voilà, le C3B, bien joué, le C3B en punition de chop. Et... ah, ça c'est bien joué, le petit 2 kick. Ah, le 2-2, ça fait mal. Un kick. Voilà, bien joué. Allez, et le petit 2 kick pour terminer, on vise les pieds. Bien joué, la Chio qui est bien parti dans ce match. Voilà, bien joué, là Chio qui est bien parti. Attention à la chope en B pour faire gaffe. Voilà, bien la punition FC 3B, la CE qui passe derrière. Bien joué de la part de Chio. Allez, allez, voilà, tu recules, tu prends ton temps, normal. Donc il va falloir qu'il revienne bien dans le match là. Il est un peu mal parti. Il s'est un peu relâché, je pense, aux deux matchs qu'il vient de gagner. Voilà, on avance, on essaie d'être prudent de chaque côté. Ici, ce qui... voilà, le AGA qui est bien passé, bien joli de la part de Joe. Voilà, FC3B. La chope en B, en A. Voilà, le relevé B1, ça touche de loin, ça. Et il n'a pas mis sa garde, de Joe. Ah, le 2-2B, ça fait mal, ça. Voilà, le Crybaby, Crybaby, bien joué de la part de Chio pour terminer. Et il y avait resté plus que quelques pixels de vie. Et là, on en a profité pour faire son Crybaby à la coup. Toujours aussi chiant ce coup-là. Et Joe qui s'est fait avoir et Chio
qui revient dans le match 4 à 3. Bon match de la part des deux joueurs, hein, c'est serré, hein, comme d'habitude dans les mardis je te brandisse. Pas comme dans certains défis qui passent les mercredis sur le PSN, là, je sais pas qui ça concerne, là, les défis que propose Kaysona, Power Sex and Nuts, où les mecs ils se font défoncer 10-0, 10-5, des Malek qui se font bourrer par des mecs, enfin bref, pas joli joli quoi. Enfin bref, ceci ne nous regarde pas. Et on va revenir à notre match entre Chio et Joe. White. Allez, 3B, c'est passé. Oula, ça confirme pas le counter du côté de Joe, mais c'est pas grave, ça fait mal quand même. Voilà, par contre ça fait mal quand même. Ça, 3B. Et Chio prend énormément de coups dans la garde. Hein. Voilà, je sais pas ce qu'il a essayé de faire là, Joe, mais c'est plus le coup, faut pas se prendre ça. Faut rester en garde. Bébé, là, ça passe dans la garde. Ah, il se prend. Ah, dommage. Voilà, 3D. Oh, ça fait mal, ça, putain. Voilà. On va charger. Oula. On a bien joué le kick, là, contre le FC, FC 3B Bravage. Ah, bien joué de la part de Joe, ça n'a pas paniqué. Il termine par un petit de kick, on vise les pieds à la fin des matchs. Comme d'hab. Oh là là, la part de Chio qui clignote encore. Hein. Oh, et le wall combo, ça va faire mal. Pam, pam. Voilà, encore une fois. Ah, oh, dommage, il a raté le buff. Il a raté le buff. Oh, mais c'est pas grave. 3B, ICBA, ça fait mal. Et Joe qui mène par 2 rounds à 0. Et en plus, la barre de Chio qui clignote encore une fois. Oh là, ça va faire mal. Boum. Boum. Hop, hop. Allez, encore une fois. Tac. Et le 1-1 qui passe pas en tech trap, dommage. Allez, Chio, il va falloir revenir. Allez, je vais le choper. Le solide Joe, hein, solide. Bien joué là. Chio. Le garde impact. Le 1-1. Dommage, elle n'a pas de meilleure punition contre le 1-1, c'est dommage. Bien joué là, là ils ont fait 4 pixels de vie. Oh là là, là Chio qui essaie de tout faire pour revenir, c'est pas évident. Ah dommage le 3B qui est pas passé, le FC3B qui est pas passé. Punition, bien joué de la part de Joe. Et Joe qui rebreak encore une fois, qui passe à 5-3. Bien joué de la part de Joe, il a été solide, il s'est bien repris par rapport au match dernier. Bien bien joué. Ah, il est content player, hein. Mais t'inquiète pas, Chio, elle va revenir, t'inquiète. T'en fais pas. Prépare-toi à payer, c'était fou. Pour l'instant, je suis bien verni dans mes paris, donc je pense que ça va durer. Chio, elle va revenir, elle va nous faire... Je t'emmerde Saito, je ne supporte pas eux. Putain. Oh l'enfoiré. Oh là là, tu vois, dans ça, dans la partie dans ça. KO. Battle 2. Fight. Allez, pour l'instant, voilà, là, c'est mal parti vraiment pour Chio. Hein. Chio qui arrive pas à résoudre ce problème de garde qui pète. Elle est vraiment trop statique et ça joue pas en sa faveur. Oh, bien joué là, c'est eux par contre. Voilà, maintenant faut mettre la pression. Et de choper le AGA dans la garde. Ça qui vient à la chope. Et voilà, le petit B pour terminer, il a essayé de sauter pour éviter un 2 kick sûrement.
mais elle a mis un petit mid. Bien joué de la part de Chiyo qui revient à round partout. Ah. Je vous laisse profiter du match, je reviens dans deux secondes. De retour, et donc je vois qu'on en est à 2-2. Pour l'instant, Joe fait l'avantage à la vie, et en plus à la barre de Joe, qui veut sûrement te péter encore une fois. Voilà, si c'est B, oh ça va pas passer sur moi ça. Oh si, je pensais qu'elle était trop loin, mais c'est bien joué. Ceux qui passent, faut mettre la pression dessus, voilà. Voilà, c'est 3B. C'est 3B encore une fois, ça passe dans la garde. Voilà, oh ça rend dommage. Comme par hasard, ça pousse, ça met le garde dos. 3B, oh là là, ça c'est bien joué de la part de Joe. Ah, c'est 4-4B, c'est serré là, la chapelle est chopée. Bien joué, oh là, le 6. Oh le rôle bébé Bravage, qu'allait peut-être passer, mais ça n'a pas fait. Et là, Joe qui commence à prendre le large. On en est à 6-3. C'est vraiment dommage hein, parce que là c'était une fin de match serrée, elle aurait pu ça aurait pu passer ce qu'a fait Chiyo, mais ça n'est pas le cas. Vraiment dommage. Mais bon allez, rien n'est terminé. Chiyo peut toujours revenir. Alors monsieur Zappy, est-ce que tu as des conseils à donner à Chiyo? Ça c'est un bon conseil, Pibo, je te la Allez, on est reparti. On prend le défi. 3B, CDA. Ah, elle a pas mis comme punition quand même pour un A, c'est vraiment dommage de finir qu'avec ça, c'est pas assez je crois. Ah là c'est le vol avec le 6 des Ravage. Là c'est le venir, le petit kick c'est pareil, et le il a sauté, il a fait un 9B, ça a esquivé le 2 kick, bien joué de la part de Joe. Hein. Joe il fait le taf pour l'instant. Hein. Il a bien repéré le point de Chiyo, hein, à droite de la barre elle pète souvent et que Chiyo elle arrive pas à trouver de solution donc il va jouer là-dessus. Donc là Chiyo là il faut qu'elle mette la pression hein. C'est ce qu'elle fait pour l'instant. La chope est déchopée. Ça déchope bien des deux côtés. Ah bien joué. Bien joué. Et, oh bien joué l'esquive, dommage que la punition n'est pas super derrière. On va réussir à finir. Oh ça whiff, super ça. C'est sous calibre 5 à tenir qui whiff comme ça. Ah, regardez comment je suis sur la barre de garde, il est bien à charger. Chiyo qui, grâce à un 6-6 kick, gagne le round. Un round de partout. Ah, Chiyo, il en met plein la garde, regarde, à charger. Ça peut être en round, là, Chiyo se baisse. Voilà, bam, bam, bam. Pouf, il va essayer le 1-1 en trap, le 1 à charger. Il va jouer encore sur la barre de garde, 3B. Oh là là, parfait, perfect.
bien, je trouve, de la part de Joe. Hein. Là, Joe, il est complètement une liche, là. Faut rappeler quand même que ces deux joueurs s'étaient rencontrés lors du tournoi à Ross, la Public Fighter, et ça avait été le match a été gagné par Chio. Et notamment, on va dire que c'était un match assez mouvementé parce qu'on va dire qu'il y avait moi, il y avait Ran derrière, et Cinéphile par exemple qui avait mis bien la pression à Joe. Et je pense que Joe, il vous laisse se venger, hein, il voulait refaire un match contre Chio. Et donc, ils ont décidé de faire ça dans le match en 10. Et pour l'instant, Joe, il se venge bien, hein. Il mène par 6-3. Et voilà, la carte prête. Et je te sors. Et voilà, Joe, là, il a vraiment pris le large. Là, il mène par 7-3. Hein. Chio, elle trouve aucune solution. Là, le réel défaut de Chio, là, dans ce match, c'est que sa barre, elle n'arrête pas de péter. Hein. Sa barre, elle pète deux fois par match. Et le problème, c'est qu'elle trouve aucune solution contre ça. Je pense qu'il faut qu'elle mette plus la pression, qu'elle le fasse plus whiffer, qu'elle bouge plus. Mais bon. Voilà, player, t'as de quoi être content parce que bon, en effet, là, c'est vraiment mal parti. Hein. Ah, pour une fois, je pense que ça va être encore un des... un premier défi qui ne sera pas... qui sera pas très serré. Hein. Je pense que là, peut-être Joe, il va complètement prendre l'ascendant et se bien terminer. Si Joe, d'ici là... Chio... ne se réveille pas. Allez, on est reparti. Pour l'instant, Joe qui a pris l'avantage. Bien joué le jeu de B. Punition là. Voilà, ça c'est bien fini. Là, c'est ça. Ah, là, Chio qui est bien revenu en match. Là, le petit kick. 6-6-B pour le jeu de backlash. Dommage. On passe là. Voilà, la choc. AGA. Oula, il s'est pris ça. Elle a lâché sa carte, on pensait que ça allait arriver. Pas le cas. La chope basse est chevée. Bien joué. Le AGA de la garde. La chope en B, bien joué. Non, la chope en B, excusez-moi. Et le petit 2 qui s'est terminé. Il a voulu choper, mais c'est pas passé. Bien joué de la part de Chio qui mène un round à 0. Allez Chio, faut remonter. Voilà, faut punir ça. Il y a un seul parti qui passe. Ah, regardez, la barre qui clignote encore. Hein. 3 buts, ah, ça fait mal. Bien joué, hop, là c'est eux qui va passer. Voilà. C'est ce qui est bien joué, la position là. Voilà, la chope, dommage qu'il n'a pas biffé. Bam, bam, ça c'est bien joué. Voilà, bien joué la position. Et Chio qui mène par 2 rounds à 0. Voilà, ça regardait de côté. Là, j'ai pas confirmé le flicker. Il ne serait pas derrière le 2. Il ne pas le 2MB. Est-ce que ça va sortir ça? Oula, c'était le CP. Qu'elle devrait faire contre les 1A chargés, je pense qu'elle devrait essayer un coup de tech jump pour éviter que ça joue sur sa barre de garde, même si après il y a le B qui peut sortir, hein, faut faire toujours attention à ça, mais je pense qu'elle devrait montrer en gros à Joe qu'elle peut avoir la réaction de sauter sur le coup, et ensuite après ce sera moins facile. Voilà, bien joué le 3B derrière. Allez, maintenant faut mettre la pression pour bien le terminer. Le 6B qui whiff, c'est pas puni de la part de Joe, ça se regarde des deux côtés. Attention là, le temps, voilà, bien joué de la part de Chio, voilà, reste derrière, voilà, et c'est terminé, bien joué de la part de Chio, très très bien joué. Elle a vu la barre de temps, elle a décidé je vais faire des petits dégâts et je vais reculer, je vais backdasher. Voilà, ça c'est bien joué stratégiquement de la part de Chio et qui revient à 7-4.
Here, where souls battle one white. Allez, on est reparti. Voilà, Machio, Machio, qui est bien parti là. Voilà, l'avantage de la vie. Et ça va être nightmare pour faire avec chance, ça peut revenir très vite. Hein. Voilà, là, bien joué la chop, bien joué. Voilà, c'est stick, bébé. Ah, dommage, le 2 plus K a été interrompu. Ah, ça faut punir. Ah, dommage, avec un 3 2 plus K. C'était pas passé. Ah là là. Voilà, bien joué la petite position. Enfin, je sais pas si ça a puni. Je pense qu'à mon avis, Joe il s'est baissé. Il a mis un petit 6-6-6. Ouais. Premier round pour Chio. Ça se regardait de côté. Voilà, bien joué le 6B. Dommage, le combo il passe pas. Ça se regarde, elle fait attention au ring, hein, ça fait le round out, ça peut aller vite avec Nightmare aussi. Ah, le relevé B, Bravage qui n'est pas passé, la chope de dos, bien joué de la part de Joe. Le 1A qui passe encore dans la garde. Voilà. Ah, il a barre qui commence à se lever, hein, le 1A, bien joué la petite position de la part de Joe. Le garde impact. Le 2B, bien joué, ça, ça fait mal, ça. Le relevé B, et voilà. Le glissé BA, bien joué de la part de Joe. Belle petite phase. Battle 3, fight. Ah, sur la barre de garde, sur la distance. Voilà, regardez. Voilà, 3B, bien joué, bien joué, bien joué, par le Chio. On va faire couler. Voilà, bam, bam, bam. Ouf, le 1A pour chercher une frappe. Voilà, ça fait mal, ça touche au sol en gros. Oh là là, c'est dommage, on a essayé une grosse garde, à mon avis, je pense qu'elle s'est foirée. Là, là, elle est mal partie, là. Oh, c'est dommage, elle a pas whiff finish. B, ça passe dans la garde, si c'est ça. Ah, il faut punir ces loups. Dès que c'est oui, il faut punir. Voilà, punir. Voilà, dommage. Oh, dommage qu'il ne finit pas les whiffs. Et le 2-2-B, bien joué de la part de Joe. Hein. Il joue sur la distance. Dès que c'est un coup qui whiff, il balance 2-2-B. Ça fait très 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 mal. Hop, là c'est bien joué de la part de Chio. Ça c'est les phases spéciales des chiens. On cherche un petit frame trap pour balancer ce coup là. Ça stun et YNCE garanti derrière. Bien joué. Allez, ça zone des deux côtés. Et voilà, bien joué, Chio qui revient à deux rounds partout. Allez, si elle gagne, elle peut refaire son retard. Bien joué le 6A, passé. La shot en A, bien joué, faut mettre le pressing. Oh là là, c'est ce qui est dans la gueule. Oh là là, ça a failli sortir la shot, la shot spé. Oh dommage, elle a pas puni. 3D, voilà, deux kicks, deux kick back dash 3D. Attention, elle est mal placée là, le 3D. Oh, la barre qui clope, ça va être chaud. Bien joué là, le 6 bébé, la seule qui est garantie derrière. Ça va tuer. Non, ça va pas tuer. Attention, allez, plus qu'un petit dernier coup. Ah, et la CE. Elle a fait fesser. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là. Oh. J'ai cru qu'elle allait se foirer. Ouh, c'était chaud ça. Moi, j'ai cru qu'elle... Elle a, ouais, en effet, elle a taunté. Bien joué. Et là, Chio qui revient bien. 7, 5. Ah, j'ai vu sur le chat qu'apparemment que pour certains, ça cadait. Bah, moi, pour l'instant, de mon côté, ça va. Alors, en effet, c'est pas la même qualité que ce que vous proposez avec les soudains, mais je fais avec les moyens du bord. Allez. Ah bah moi je la... Ouais, player, la CE, je la sentais venir. Hein. Moi je vois le mec, il lui restait quasiment plus rien. Il pouvait, avec une CE piffée, il pouvait bien revenir. Mais Chio, elle s'est dit, à mon avis, je pense qu'elle l'a senti elle aussi.
Et donc elle s'est pas précipitée, elle a pas mis un petit deux kicks de famille pour terminer. Elle a pris son temps, il a vu la se sortir. Et voilà, bien joué de la part de Chio. Et donc on est parti pour ce match. Hein. Oh dommage le. C'est le truc à bouffer. Bien joué le backdash 3B. Il s'est battu derrière. Le 1-1 encore. Il va jouer sur la barre de garde. Voilà. Elle interrompt la stress avec un petit 2A. Oh la choc qui est passé. Et bien joué. Ça va pas tuer. Pour l'instant l'avantage à la vie du côté de Joe. Ah dommage, il punit pas, il aurait pu le terminer, Joe là-dessus. Concentré, voilà, bien joué la petite punition bébé. Oh, bien joué la chope de côté après avoir esquivé le buff kick. Et Chio qui prend ce premier round. Bien joué de la part de Chio. Allez, Chio qui revient bien dans ce match là. Joe qui continue à jouer sur la barre de garde. Et Chio qui va lancer le premier kick. Bien joué, ça c'est bien joué. Et la garde. Voilà. Bien joué la petite mission là. On va chercher plus tard là. Ah là là. Boum, boum, boum. Voilà, ça fait mal. 3B, ça touche l'air. Là, tu vois, elle va essayer de chercher les dégâts avec un 3BCE à mon avis. C'est skick. Skick, ça touche la garde. Et Joe qui met un bloqué pour terminer. Bien joué de la part de Joe. Qui a pas craqué. Round partout. 6B, ça touche dans la garde pour l'instant. Bien joué le 4-4B. Voilà, 6-6 kick, la chope en B, bien joué. Je sais pas combien de fois je dis bien joué dans ce jeu. J'aime bien ce jeu-là. Et là, ce qui est passé du côté de Chino. La chope, qui est chopée. Bien joué, là, elle vise les pieds. 6 kick, oh là là, punition, et voilà, bien joué la punition pour de la chope basse. Battle for fight. Pour l'instant, Chio qui a pris l'ascendant dans ce match, et là qui revient bien dans ce match. Voilà, bien joué le 4-4B. Le 4-4B il a l'air de bien marcher dans le match là. Ah dommage, j'avais pas la CE pour après le stun. La chope en B. Le 6-6 Kicker, relevé des Ravage. Ça passe dans la garde. 6-6 Kicker, bien joué, bien là. Voilà, bien joué le petit combo. Dommage que le deuxième coup n'est pas passé. Voilà, là, bien, il a fait la CE, il fallait pas. 3B. Boum. Voilà. Bien joué de la part de Chio qui revient à 7-6. Très bien joué de la part de Chio qui s'est complètement bien repris. Hein. Là, elle fait le taf là. Elle a trouvé quelques ouvertures à mon avis. Quelques petites faiblesses dans le jeu de Chio. Et elle en profite pour revenir dans ce match. Bien joué de la part de Chio. Et donc moi, je vous laisse profiter du match quelques secondes parce que je l'ouvre un peu trop et j'ai la bouche sèche, je vais me chercher à boire. The path to truth is now battle one. Fight. Pour l'instant ça se regarde des deux côtés. Voilà, ah oui, bien joué la chope de côté de la part de Joe. Elle a bien pris l'avantage au niveau de la vie, le 3 qui passe en garde, elle n'a pas puni. Le rebet est encore whiffé. C'est pas puni cette fois-ci, 6-6-B, bien joué. Ah le niveau qui passe. Oh le dommage, le deuxième kick là. Oh là là, et le 9 kick pour terminer, bien joué de la part de Joe. Hein. Un petit 9 kick des familles. Le cas où il fait, c'est pas fini. 3B, c'est 3B. Le cas touché, il a fait ça. C'est les plus sticks de son Calibur 5, ça arrive. A, 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 B.
bien joué l'interrupt. Ceci-ski, bien joué. Oula, bien joué de la part de Tio qui a cancel. Hop, 3B, 3B plus K. Bien joué là, elle a failli se prendre la CE. Mais elle a annulé le coup. C'est bien joué de la part de Tio. Elle a cancel. C'est bien joué. Un round partout. Un petit avantage pour Jo qui a fait noter la barre de Tio. Bien joué. Oh là là, elle fait énormément le counter Tio, hein, parce que je pense qu'elle bourre un peu plus déjà. Et elle fait énormément de counter. Bien joué de sa part. Oh là là, bien joué encore de la part de Tio. Là, le relevé 3... FC3B. Très très bien joué de sa part. Ah, bien joué là, ça fait un bon kick. Oh, dommage la position du whiff. C'est pas grave, Tio qui a bien pris l'avantage pour l'instant. Voilà, elle se précipite pas. C'est elle qui a l'avantage à la vie, elle a pas à faire le tap. Ah, c'est pas puni de la part de Joe, mais il va essayer de jouer sur la barre de garde. Oh, voilà, 3A, 3B, ça fait mal. Oh, le 6 qui a whiffé. Ah, dommage l'interrupteur qu'elle a fait trop tard. Ah, saute, fais gaffe, fais gaffe. Oh là là, elle a, je pense qu'elle a essayé le jeu de garde bas. Oh, bien joué la position de la chop. Avec le 3BCE. Allez, maintenant, faut mettre la pression. Deux kicks. Vise encore les pieds. Ah, voilà, elle s'est pas pris encore. Attention, il doit terminer. Oh, elle s'est pas fini. La chop qui est déchopée. Attention, comment ça va se terminer. La barre qui ne clignote pas. Ah là là, c'est dommage. La barre l'a pas pété. Mais elle a voulu se précipiter pour punir, mais il avait l'avantage. Et là, elle est vraiment mal partie parce que c'est le dernier round. Et la barre, elle continue de clignoter. Voilà, oh là là, bien joué. Le 3-3B Bravette. Boum, ça, ça fait mal. Il a bien pris l'avantage là-dessus. Joe, 2-2B, ça fait mal. Oh là là. Oh là là, c'est dommage. Ah ouais, elle avait la pression avec la barre qui clignotait. Et donc, elle a essayé de bourrer, hein, mais bon, c'est pas passé. Joe, il a bien profité. Oui, en effet, il y a le GI, hein, mais bon, Tio, il n'y pense pas. Dommage, dommage. Et là, Joe qui prend, qui reprend son avantage. On est à 8-6. Bien joué de la part de Joe quand même. Hein. Quel défi de queue ce que tu racontes toi. Bah au lieu de critiquer Saito, bien joué. Enfin, tu puisqu'apparemment tu t'es remis un petit peu au jeu. Moi je te mets contre un kiff ou un skill si tu veux. Et après on va voir ce que tu vaux. Parce que bon c'est bien beau de critiquer hein, mais bon. Tu bourres les deux avec une main de Kendrick. Fight. Ou moi si tu veux hein Saito, hein. Moi je te bourre quand tu veux hein. Non mais moi quoi, je te marre pas, moi je te mets ta misère quand tu veux Saito, hein. Moi y a pas de souci. Ramène ton maxi des bacs à sable et voilà. Bon allez, on en revient au match au lieu de raconter des conneries. Et pour l'instant, Joe là qui est très très bien parti dans ce match là. Il mène 2 rounds à 0 et il y a encore la barre de Tio qui clignote. Hein. Elle a toujours pas trouvé de solution contre ça, hein, Tio. C'est vraiment le gros problème là de ce défi. Hein. C'est la barre qui arrête pas de péter. Voilà, encore une fois, boum, boum. Pam, pam. Est-ce que ça va wall ça? Non, c'était trop loin. Et le 1A qui touche au sol, il faut se relever là-dessus. Quand tu vois que ça charge, tu te relèves. Et pour l'instant, là, Tio qui fait le taf pour revenir. Et le petit 2 kick pour terminer. Et Tio qui revient à 2 rounds à 1. Allez, c'est pas terminé, Tio, tu peux encore. Hein. Non, tu n'auras pas ton Hagen Dats. Tu vas voir, Tio, elle va revenir. Bien joué le 6-6B Bravage. Là, c'est eux qui passent derrière. Garanti. Bon avantage pour Tio pour l'instant dans ce round. J'avoue c'est vrai, faut qu'elle GI. Hein.
Voilà, bien joué de la part de Shio là. Relever plus de kick, le crybaby, le de kick, le de kick encore une fois, la CCP, ça a marché. Et bien joué encore une fois, la Tio qui est très très bien revenu dans ce match. Bien joué de la part de Shio là. Là qui peut essayer de revenir à 7-8. Bien joué le CCP de Braves qui est passé. Voilà, la champ AB, le wall. Oh, il n'a pas fait le wall combo. Je sais pas s'il y avait le wall combo derrière. Ah, en plus, il est... Oh, te baisse. Saute au moins, saute, tu prends pas des trucs comme ça dans la garde. AGA, il va chercher le wall, Joe. 6 bébé. Voilà, le petit 2 kick. La chope qui est déchopée. Voilà, le 3 bébé SK. Oh là là. Il va chercher le wall, hein. Regardez, il fait des AGA. Et voilà, ça va faire mal, ça. Voilà, relève-toi, la chope qui est déchopée, bien joué, la chope qui a whiffé. Oh là là, bien joué le FC3B et la CE derrière. Bien joué de la part de Tio là, qui n'a pas paniqué. Elle a profité du high qu'il a lancé pour balancer un FC3B. Et balancer la CE derrière, bien joué de la part de Tio qui revient à 7-8. Et bon, et bah finalement, défi serré encore une fois. Hein. Alors autant vous dire que pour les Only Deus Forgi, je me louvre pas mal au niveau des... Au niveau des adversaires, mais alors pour les mardis, je te bourre en 10. C'est toujours toujours des matchs corrects, très serrés entre les deux joueurs. Oui, Aing, en effet. Ouais, belle remontée de la part de Tio. Et ben, on espère qu'elle va pas en rester là. Faut qu'elle revienne à égalité. Et qu'elle gagne ce défi pour que je gagne une glace. Voilà, Night Player, il est en train de faire dans sa culotte. Allez, le AGA qui est pas passé. Ah, les deux ils restent en garde. Elle a pas envie de se prendre une arnaque à la con, Shio. Bien joué le 3B plus K. La chope en B. Le 6 kick, 2 kick. Je te vise encore les pieds. Voilà, ah, les trop lents pour premier rôle. 6 kick des Bravage, c'est dommage. Il est passé. Oh là là. Oh, il se punit pas du côté de Shio. Oh là, bien joué le 3B. Dommage, il n'a pas pu confirmer le BSPA. Ça regarde de côté. FC3B qui a whiffé, c'est pas puni. Le RGA qui a whiffé, c'est pas puni non plus. On est très prudent de chaque côté. Hein. On veut pas se prendre du ring out, on veut pas se prendre une arnaque ou quoi que ce soit. La chope qui est déchopée. 6-6 kick. Voilà, on se regarde, ça se regarde, ça se regarde. Le RGA qui est whiffé. Voilà, bien joué le 6B Ravage. Ah, le deuxième kick qui passe pas, dommage, c'est pas grave. La chope passe. Bien joué le crab baby. Oh, ça fait mal. Hop. Les dégâts que ça fait quand même quand ça touche au sol, c'est pas mal. Hein. Mais là, elle a joué le temps, c'est bien joué de la part de Tio. Ça oui, ça punit pas de l'autre côté. Voilà, bien joué le 3B. Bien joué, je fais le pied. GB. Voilà, bien joué. Là, fais attention, voilà, on recule. On évite de se prendre une arnaque à la con, genre une chope basse ou une chope en A. Bien joué le 6 de Bravage, la CE, est-ce que ça va terminer ce match? Non. Allez, il reste plus qu'un dernier petit coup. Voilà, un petit interrupto de kick. Non, s'il te plaît, me raconte pas le match entre le Bayern et Arsenal, s'il te plaît, Raziel. Parce que bon, là, c'est déjà très mal parti pour eux, apparemment. Allez, on va se concentrer plutôt sur ce match. Allez, Tio qui est bien parti dans ce match. Revenir à 8 partout. Waouh, dommage. Là, il avait bien esquivé et pourtant le coup il a touché. Bien joué là. Oh, dommage, elle aurait peut-être pu faire ça derrière. Gagner plus de dégâts. Bien joué là en cherchant Tinter. Mais les petits interrupts, le 9B. AGA. Oh là là, ça fait mal. Allez. Oh là là, bien joué. Boum. Hop, voilà. Bien joué. Relevé. BBE. Et Tio qui revient à égalité. Très bien joué de la part de Tio là, qui s'est complètement remis dans le bain là. Et qui revient à 8 partout. Et va peut-être prendre l'avantage dans ce match, on sait jamais. En tout cas.
cas, bien joué hein, de la part des deux joueurs, hein, tout simplement. Hein, c'est pour l'instant, c'est une très belle affiche, encore une fois. Hein. Très très belle affiche hein, que nous montre. C'est deux Makoumé, hein, faut sentir voir que les deux c'est des Antillais. Donc voilà, un petit match de Makoumé. Et... pour l'instant... c'est équilibré. Allez, Joe qui est bien parti dans ce match. Ouh là là, le 3B glissé BA. Voilà, pour l'instant ça tombe dans la garde. Hein. C'est Knight. Regarde, ça commence déjà à clignoter. Il bourre comme un porc là. 2-2B. 3B. 3B encore une fois. Bien joué le 3B là. C'est passé. FC3B, encore une fois. Voilà. Oh là là, Chio là, elle lui retourne le cerveau. Et là, ça le cligne de deux côtés. Ah, mais par contre, ça a pété en premier du côté de Joe. Et Joe qui remporte le premier match. Mais Chio cette fois-ci là qui pourra peut-être faire péter la barre à Joe. Si elle bien. Oh mais au moins GI hein, comme dit Saito, hein, Chio, faut que tu GI, faut que tu fasses quelque chose, tu t'en prends trop dans la garde, et ça te fait mal. Mais bon, pour l'instant, ça va, elle est bien partie dans ce moment. Et là, non, là, le dropkick, ça... Ouh là là, ça fait mal en plus. Voilà, bien joué le relevé à plus B. Et oh là là, et ça clignote du côté de Chio, hein. Il a suffi. Ça fait la deuxième fois que ça clignote ses dents rouges. Ah, bien joué. Excellent. Elle a anticipé le bourrage. Et elle a steppé. Et elle a puni le 9B. Bien joué de la part de Chio. Ça clignote des deux côtés. Bien joué la Bishop. Ah, 2-2B. 6 kick. La Shop qui est déchopée. Ouf. Oh, le relevé B qui est pas passé. Oh, dommage. Elle a pas fait le track trap. 2-2B, bien joué de la part de Joe là. Oh, et la barre qui pète. Boum, boum, boum. Et tac, tu sors. Bien joué de la part de Joe. Il fait péter la barre. Et il joue le ring out. Très très bien joué de la part de Joe. Et donc Chio là, le round a un petit peu à l'avantage de Chio. Parce que il y a la barre qui peut faire péter la barre. Mais là, Joe, il se laisse pas avoir. Oh là là, le 3B qui est pas fini. Ah, le deuxième qui touche, voilà. Ah, la chope qui est déchopée, bien joué de la part de Chio, la chope encore qui est déchopée. Oh là là, faut pas se prendre des trucs comme ça, step au bout d'un moment. Oh là là, bien joué de la part de Joe là. Oh, 3B. La seconde 3B là. Elle ne step pas assez, il faut qu'elle step Chio. Et là, Joe qui passe à 9-8. Joe a un match de la victoire. Là je crois que Chio elle est en stress là. Et donc elle n'est pas assez concentrée là. Elle se prend trop de mid. Elle fait rien dessus. Elle step pas. Ou soit elle fait pas de Just Guard ou de GI. Il faut qu'elle... là elle est dos au mur là. Donc il faut qu'elle gagne par deux fois d'affilée. Et donc il faut qu'elle se réveille. Il faut qu'elle... faut qu'elle trouve une solution dès maintenant. Faut qu'elle trouve un truc pour éviter que sa barre pète à chaque fois et sans trouver rien. Mais bon, allez, on prend en toi, on se prend moi. Moi j'ai une glace, j'ai parié une glace. Hein, donc voilà, allez, bien joué. Si c'est le counter. La chope qui est déchopée. Attends, je suis bien sur le terrain, voilà. C'est griffé. Oh là là. Le dropkick qui passe dans la garde. Bien joué la chope de côté. Voilà, fais attention. Ah, trop kick encore une fois. Ouais, Joe, il a vraiment compris que c'était le point faible de Chio, le casse-garde. Et il joue que là-dessus. Hein. Il balance des drop-kicks, regardez. Et voilà, la barre qui clignote déjà. Hein. C'est, Chio, elle n'arrive pas à trouver une solution contre ce coup-là. Et donc, il en profite, Joe, il a complètement raison. Hein. Tant que son plan de jeu marche, faut continuer. Ne pas se casser la tête à changer. Oh, le crack qui passe pas, il rend le 1A qui a fait tellement mal. Oh là là. Et regardez l'avantage qu'il a pris là, ça va être compliqué pour revenir. Chio, le combo qui en plus qui passe pas.
La barque qui note du côté de Chio. 3B, bien joué. 3B, bien joué le petit whiff aussi là. Oh le 2B qui a whiffé, c'est pas au fini, dommage. Et la shop basse qui passe. Et Roon gagné par Joe. Joe là qui va encore avoir l'avantage dans son Roon avec la barre de Chio qui clignote. Putain mais laisse les Gunners tranquilles toi. Ton équipe elle est pas mieux Saito là. Équipe de lépreux là. El Sharaoui là. Tu penses que c'est eux qui vont te faire gagner contre le Barça? Tais-toi. Oh là là et Joe qui vient de mettre un perfect hein, alors que je suis en train de dire n'importe quoi à Saito. Allez Chio, faut revenir. Oh là là mais elle prend tout, elle prend tout ce qui pète la barre, c'est une nightmare, elle se le prend dans la garde. Voilà, elle veut pas, là, elle veut pas mettre de tout le garde, elle veut rien faire. La barre, regardez, qui clignote encore. À tous les rounds, il y a la barre qui clignote, c'est incroyable. Elle arrive pas à trouver une solution contre ça et... Allez, bien joué le backdash 3B, soumission, bien joué là. Avec la CE, elle a pris l'avantage, la chope qui est déchopée. Voilà, prends ton temps, tranquille. Bien terminé, voilà. Voilà, bien joué la punition. Dommage que ça pas passé au cœur. Oh là là, dommage, elle a pas confirmé. Bien joué, c'est une petite équipe pour terminer. On est à deux rounds de partout. Allez, là, si Joe gagne, c'est le défi est terminé. Il gagne par 10, par 19, 18, pardon. Et si Chio gagne, elle revient à 9. Voilà, bien joué le petit combo là. Avec la se. Voilà, le petit 2 kick, c'est le 3B, oh là là, c'est le coup qui passe en counter. La GA, oh là là, mais faut interrompre ça. Voilà, bien joué la chop en B. Mettre la pression là, cette fois-ci. Bien joué encore la chop de côté qui passe. Attention, on va encore mettre la pression. Bien joué. Superbe de la part de Chio là, qui s'est pas fait avoir. Elle a esquivé le 4 kick, je crois, c'est ça. Avec le 3B plus K, bien joué de la part de Chio qui revient à 9 partout. Hein. Et voilà, les deux joueurs qui sont au pied du mur. Encore une fois, défi très serré entre les deux joueurs. Ça fait la troisième fois d'affilée qu'on a 9 par, qu'on est à 9 partout. Vraiment très très bien de la part des joueurs hein, qui, à chaque fois qu'ils se retrouvent ici, donnent leur maximum. Et donc là, on a un défi au bout du suspense là. Et donc allez Chio, là je suis là, autant vous dire que là ce dernier match, mes commentaires vont aller complètement du côté de Chio parce que il y a une glace en jeu hein, et je vais pas envie de la payer à plier. Donc allez Chio, allez Chio, allez Chio, allez c'est parti. Là pour l'instant c'est Joe qui est bien parti, la champion qui est passée, petit no kick, oh le trop tac est passé, bien joué de la part de Joe. Ah bien, ah, c'est cool. Le coup il est passé. Ah voilà, le backdash 3B. Avec le CPA. Ah là, elle se prend toujours ça dans la garde. Et voilà, la chop qui passe. Et c'est terminé. Premier round pour Joe. Allez Chio. Je fous le seum. N'importe quoi. Allez, allez Chio. Ah le 3 là. Bien joué la punition. Ça fait pas gros mal, mais c'est toujours ça de prix. Le AGA, ça passe dans la garde. Oh là là, mais c'est... Tout passe dans la garde, hein, elle n'arrive pas à interrompre. C'est dommage. Bien joué le 6 AA. La chop, bien joué. Allez, on fout la pression encore une fois. Bien joué le whiff. Oh, la surprise qui, dommage. Allez, c'est pas grave, là il va avoir le wake up Joe. Voilà, il va encore une fois la barre de garde, encore une fois. Hein. Voilà, interrompre avec le 2 kip. Voilà, normal. Bien, en toujours interrompre avec les autres. Là, elle a pris counter. Oh, dommage. Ça va sortir. Bien joué de la part de Joe. Et Joe, là, qui a pris l'avantage dans ce match-là, qui gagne par 2 rounds à 0. Mais Chio peut toujours revenir. Elle l'a déjà fait par avant. Allez, Chio. Rien n'est terminé. Allez, voilà. Je te vise les pieds. Bien joué. Allez, toujours les pieds encore une fois. Le 9B qui n'est pas passé. Hop. Ah, oh, elle a cherché le counter. C'est dommage. La CE qui n'est pas passé. Voilà, punition. La CE. Voilà. C'est comme ça qu'on joue. Allez, la pression à la relevée. FC3B, FC3B, la chope qui est déchopée. Bien joué le counter, le 3B derrière. Et la chope, ça va pas terminer pour l'instant. Attention, voilà, on prend pas de risque. On gère le terrain. T'as l'avantage, t'as pas besoin de faire n'importe quoi. Hein. Voilà, reste où tu es, tu prends pas d'arme à coup quoi que ce soit. 6-6 BB, je passe dans la garde. Et 6-6 skip, bien joué. Allez, Chio qui revient dans le match. Deux rounds à...
à 2. En plus la barre de Joe qui commence à clignoter. Allez, 2-2 tout ça dans la garde pour l'instant. Là Joe il va commencer, il va continuer son manège. Il va chercher à péter la garde. Ah, ça whiff, ça a pas puni. Là je suis déchopé, bien joué. Allez, ça se regarder de côté. Voilà, Joe il va rester au bord du ring pour essayer de chercher un petit vol. Et Chio pour l'instant elle a l'avantage à la vie, elle a pas à le chercher. Elle doit gérer son match là pour l'instant. Oh non non, faut pas se prendre ça. Jamais se prendre ça. Et là Chop qui est déchauffé. Voilà, faut punir. Oh, est-ce que ça va passer ça? Bien joué, superbement bien joué de la part de Chio. La punition à la CE. Voilà. Allez, on cherche le petit de kick là. Elle a pris l'avantage. La Chop qui est choppée. Oh, le 3 qui est pas, le 3B qui passe, c'est passé en counter. La Chop là qui est pas les choper. Bien joué de la part de Joe. On va prendre ça encore dans la garde. La Chop va s'en B. Bien joué le 3B. Voilà, attention, reste plus quelques secondes, le 9B qui est passé. Voilà, oh dommage. Est-ce que ça. Comment il va terminer? Attention, il reste plus quelques secondes. Et Joe qui gagne. Oh là là, dommage. Dommage. Oh là là, il a joué le temps. Bien joué de la part de Joe. Et Joe qui gagne ce défi. Et merde, je vais devoir un glace à Night Player. Putain. En tout cas, bien joué de la part des deux joueurs. Superbe défi, hein. Vous nous avez gratifié, c'était jusqu'au bout du suspense, hein. Vraiment superbe match que nous ont donné les deux joueurs, hein. Très très beau défi, hein. Ça s'est terminé à 19 pour Joe. Très très bien joué, franchement bravo aux deux. Putain, ouais, je suis endetté. Bon, ça va, c'est une glace à Gundat. Night Player, je voudrais savoir si tu viens à Cannes, parce qu'en fait, je sais qu'il y a un Gundat sur Cannes, et je te le paye là-bas, si tu veux. Donc, si tu veux, je te le paierai là-bas, si tu viens. Sinon, je te le paierai autrement, hein, si tu viens à un tournoi ou quoi que ce soit. En tout cas, très bien joué de la part des deux joueurs. Hein. Joe, qui a fait le taf, hein, il a bien joué... sur la barre de garde, hein, ça a été un gros, le gros point faible de Chio dans ce défi. Et donc voilà, il a terminé sur la barre du temps. Et voilà. Ah dommage, tu vas pas à la WCG. Bon bah c'est pas grave, Night Player, je te la paierai une autre fois. Bah, dès que tu seras en tournoi ou quoi que ce soit, ou une session. Pas de soucis. Et donc bah moi je vais rendre l'antenne parce que bon, il y a le match des Gunners là. Hein. J'ai pas que ça fout de rester avec vous. Non, je rigole. En tout cas, merci d'avoir suivi ce défi, hein, ce mardi je te bourre en 10. Les joueurs qui nous ont gratifié d'un très beau défi encore une fois. Et donc moi je vais vous donner rendez-vous dimanche prochain pour un Only Deus Forgive, hein, qui va opposer des joueurs du PSN. Donc je crois qu'il y a Happy qui cherche un binôme. Donc allez le voir, hein, de me proposer lui et tout. Et donc je cherche encore deux joueurs du PSN. Donc proposez-vous. Et donc ensuite, il y aura aussi un défi la semaine prochaine, hein, mardi juste pour en 10, donc proposez-vous encore une fois et je vous mets sur le stream. Et donc encore une fois, merci d'avoir suivi. On se dit à dimanche et d'ici là, faites des défis, jouez à Soul, hein, c'est cool. Il y a Kiv en ce moment qui a envie de taper du monde, voilà. Et donc je rends l'antenne, merci encore à vous. Fermez-la à tout jamais. Et ciao.